Wesh la team, ici les incapables, ici Rino, en compagnie de Babanks aujourd'hui. Aujourd'hui on est à Saint-Etienne, donc notre ville de chez nous. On va poser la question aux gens, donc aux Stéphanois, aux habitants de Saint-Etienne. Pourquoi, selon eux, on dit que Saint-Etienne c'est la ville la plus nulle de France? C'est parti. Yo les gars, vous avez deux minutes ou pas? Pourquoi, selon vous, on dit que Saint-Etienne c'est la ville la plus nulle de France? Parce qu'il n'y a rien à faire. Et pourquoi il n'y a rien à faire? Ça veut dire quoi rien à faire? Bah, il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de gens normaux, il y a que des fous, il n'y a pas de magasins. Normal, t'es un fou toi alors? Ouais, mais moi je suis un fou. Voilà, c'est tout. Bah, je sais pas, et les gens ils sont gênants, et voilà, c'est tout. Il n'y a rien à faire aussi. Je sais pas, il y a que des fous dans cette ville. Moi les frères, j'ai une petite question, très très simple. Déjà, vous vous appelez comment? Caïs. Ismaël. J'ai une petite question, pourquoi on dit que Saint-Etienne c'est la ville la plus nulle de France? Il n'y a rien. Comment ça, y a rien? Non, je pense qu'ils sont pas venus, ils n'ont pas vu ça. C'est une belle ville. Ouais, c'est bien en vrai. Et vous faites quoi, vous, à Saint-Etienne? Je sais pas, bah, je vis, hein. Tu vis, hein? Tu déguises, là? Je fais, je sais pas, des activités, il y a là les trucs à faire, ça. Explique-leur, il y a quoi comme activité? Bah, déjà, il y a un grand cinéma, il y a une grande patinoire. Après, il y a des stades, il y a des cities, comme dans toutes les autres villes et tout. Après, ça, y a des, on a un bon collège, un bon lycée. Elle est pas nulle la ville donc. Non, elle est bien. Eh ben tu sais quoi, tu vas nous faire des jongles. qu'est-ce qu'il dit là? Ça enfle. Oh là 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 là, futur CR7. Fais un tour du monde. Allez, t'as failli tuer une mamie. Bonjour mesdames, excusez-moi de vous déranger. Pourquoi selon vous on dit que Saint-Etienne est la ville la plus nulle de France? Déjà elle est plus sale. C'est la plus sale de France. La plus sale? Ah oui. Comment ça se fait? Ben vous regardez les trottoirs, c'est sale. Mais c'est très propre, vous y êtes. Oui, vous embellissez la ville, madame. Oh, c'est gentil de me dire ça, mais enfin bon, n'empêche, elle est sale. La ville est sale. D'accord, vous voulez que j'aille le dire au maire? Voilà, allez lui le dire, entre autres. Ok, vous avez un autre message à lui faire passer? Non, ça va. Là, c'est d'ennui comme ça, je ne voudrais pas l'ennuyer encore plus. Ok, vous le connaissez? Ben, c'était mon patron. J'ai travaillé à la ville. Ok. Voilà. Ça marche. Et que pensez-vous de Saint-Etienne en général? Oh ben, on est pas mal. On est près des montagnes, on a le pilote, on peut aller faire des promenades, on est bien. Qu'avez-vous à améliorer dans cette ville? La propreté. Très bien, merci beaucoup madame. De rien. Au revoir. Je pense qu'on est bon. Excuse-moi de te déranger. Ce serait pour une petite vidéo. Je pourrais te poser quelques questions ou pas? Ah vas-y, c'est pas grave. Tu parles un tout petit peu. Bah, vas-y, ok, c'est pas grave. Vous appelez comment? Stéphanie. Et vous? Louis. Papy. C'est vous oubliez votre prénom? Papy. Papy? Qu'est-ce que vous pensez de la ville de Saint-Etienne? Je suis fonctionnaire à la ville de Saint-Etienne. Je suis cantonnière à la ville de Saint-Etienne. Franchement, ça se perd. Ça se perd, ouais, hein? Ça se perd. Est-ce que c'est la ville la plus sale de France? Non. C'est la plus sale de France. C'est laquelle pour vous, la ville la plus sale de France? Paris-Marseille. Ouais. D'accord avec elle. Quoi? Vas-y, arrête. J'ai peur des chiens. Oh là là. Franchement, non, Saint-Etienne, on essaye de faire au mieux qu'on peut. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Après, c'est les gens qui restent sales, mais comme de partout. Hein. Mais non, je trouve que quand même, c'est assez propre. Hein. Et c'est quoi, cantonnière? Bah, c'est, regarde, t'as vu, j'ai ramassé les papiers. C'est moi qui va nettoyer ton caniveau, qui va nettoyer quand t'es... voilà. Moi, j'aime mon métier, personnellement. Merci quand même. Bah, de rien, il n'y a pas de souci. Après, c'est les gens qui sont sales. Et il y a quoi à faire comme activité à Saint-Etienne? À part boire des bières? Franchement, pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, il n'y a rien. Que penses-tu de la ville de Saint-Etienne? On dit que c'est la ville la plus nulle de France. Est-ce que t'es d'accord ou t'es pas d'accord? En vrai, je suis pas vraiment d'accord parce que c'est un peu détente. C'est une ville où genre c'est un peu calme, je sais pas comment expliquer. Moi, ça fait presque 9 mois que je suis là et en vrai, ça va. Hein. T'étais où avant? J'étais à Lyon. Donc tu préfères Lyon ou Saint-Etienne? En plus, il y a un gros débat sur ça, là. En vrai, pour les activités, j'aurais dit Lyon, mais pour genre si tu veux être genre plus calme, etc., mieux vaut aller à Saint-Etienne. Genre vivre ta vie normale, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu verrais améliorer dans cette ville de Saint-Etienne? Plus les bâtiments et un peu plus d'activités, je trouve. Quoi comme activité? Qu'est-ce qui manque? Peut-être grâce à cette vidéo, ça va se mettre en place, tu sais pas? Je sais pas, moi, plus de fêtes foraines, parce que c'est vrai que il y a qu'à Noël qu'il y a genre les chalets à Hôtel de Ville. Moi, je trouve qu'il faut un peu plus d'activités, genre des trucs de forains ou bien un petit parc d'attractions quelque part, je sais pas moi. Ok, bah si t'as un message à faire passer à la ville, qu'est-ce que tu dirais? Mieux vaut vivre ici
quand t'as envie d'être calme. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Ouais, qu'on a capté. Genre, ici c'est. Quoi. Non, t'inquiète. Ici c'est en gros, c'est plus calme, c'est une ville calme, c'est une ville détente. C'est pas une ville où tu viens faire la fête, quoi. Ouais, c'est pas comme Paris, je trouve. Ah, c'est vrai que ça a rien à voir. Oh, tu le fais, tu fais lui là-bas. Là. Oh, mais j'ai peur, frère. Excusez-moi de vous déranger. Je pourrais vous poser quelques questions? Oui. Vous appelez comment déjà? Anonyme, moi. Je milite pour la peine de mort pour les pédophiles. Je répète, je milite pour la peine de mort pour les pédophiles. Fais-en pareil. Attendez, Anonymous. Faites passer un message à monsieur Pedrillo. Non, mais il est en garde à vue, il est mis en examen. Et moi, je souhaite qu'il soit mis à mort. Tu comprends? Ah, mais vous êtes trash, hein. Est-ce que tu comprends? Vous me faites peur. Qu'est-ce que tu penses de la ville de Saint-Étienne? On dit que c'est la ville la plus nulle de France. Oui, c'est assez bien. Bah, je suis pas vraiment d'accord avec ce fait. C'est une ville assez bien. Il y a beaucoup. C'est une ville assez qui aime bien le sport. Ouais, toi, tu fais quoi, du foot? Oui. T'es fort au foot un peu? Oui. Tu penses que tu me bats au foot? Oui. Je pense que t'as raison. Et qu'est-ce que tu verrais améliorer dans cette ville de Saint-Étienne que toi t'aimes bien? Rien. Rien? Tout est parfait pour toi? Pas tout. Bah, les endroits où il y a des racailles. C'est où les endroits où il y a des... T'aimes pas les racailles? Oui. Pourquoi? Bah, parfois, ça, il y a des parcs pour enfants, il y a des gens qui essayent de envahir les parcs. Donc, t'es contre les envahisseurs? Oui. Et qu'est-ce que tu ferais justement pour que ces envahisseurs arrêtent d'envahir? La bagarre? Ouais. Tirer les taper direct? Ouais. T'es fort à la bagarre? Ouais. Merci beaucoup, mon pote. Oh, il a dit, je suis pas d'accord sur ce fait. Ouais. Bon, je comprends pourquoi. Là, on est devant le fait accompli. Je comprends pourquoi la gentille madame Talon nous a dit que c'était l'une des villes les plus sales. Regardez. N'en voulez surtout pas aux éboueurs. N'en voulez surtout pas aux éboueurs, c'est pas de leur faute. Les éboueurs, on se sait. Les héros. C'est vous, on se sait. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Salam alaikum. Que pensez-vous de la ville de Saint-Étienne? On dit que c'est la ville la plus nulle de France. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a que des clochards. Il y a que quoi? Des clochards. C'est-à-dire? C'est une ville de pourriture. Vous... Non, je n'aime pas Saint-Étienne. Pourquoi vous n'aimez pas Saint-Étienne? Parce que je l'aime pas. C'est doux. Je ne peux pas la voir, cette ville. Et pourquoi vous y restez? Ben, parce que c'est le travail. Ok, vous travaillez dans quoi? Si c'est pas indiscret. France Télécom. Et qu'est-ce que vous verrez améliorer justement dans cette ville? Tout. Faut tout améliorer, faut tout casser et reprendre à zéro. Et vous le ferez, vous? Ah, moi je fais pas, moi. Ça m'intéresse pas maintenant. C'est pour les jeunes, ça, maintenant. Vous êtes pas si vieux? Ah bah quand même, ça va. On tient la route. Et toi, mais qu'est-ce que tu changerais dans la ville? Ah non, moi je suis pas d'ici. Lui est de Lyon, lui. Je venais de Lyon. Et Lyon, c'est mieux? Ah ben bien sûr, c'est mieux. C'est mieux dans quoi? Hein? De tout. Les activités, les sorties et tout ça? Oui. Toi, tu changerais quoi dans Saint-Étienne pour que ça soit mieux? Je ne change pas ça parce que j'ai trouvé, c'est pas comme Lyon, c'est tout. Et toi, tonton, tu changerais quoi dans la ville pour que la ville elle soit mieux? Moi, je viens d'arriver. C'est pas trop une ville dégueulasse, ça va? Non. C'est la plus sale de France. Bonjour, mon ref. Ça va? Ça va, et vous? Tranquille, ça va. Ça se voit que t'es un ancien de Saint-Étienne. Ouais, c'est un moment, ouais. Et t'aimes bien la ville? Ouais, comme elle est belle quand même. Il y a des belles? Des immeubles qui sont beaux, l'architecture. L'architecture, et tu fais quoi toi, Saint-Étienne? Ta journée type? J'habite les fermes avant. Ouais, mais ta journée type, c'est quoi? Rester à la maison, en train d'écouter la musique et boire. T'écoutes quoi comme musique? Un peu New Jack, R&B, Rai. Et tout. Mais tu fais pas le ramadan aujourd'hui? Non, c'est Mali, c'est... Je suis un fumeur, j'irai pas. J'ai arrêté 15 jours dans ma vie de fumer, mais j'y arrive pas à arrêter de fumer. C'est pas bon, jette cette cigarette. Ouais, j'aurais plus 15 jours faire. Jette cette cigarette. Ouais, t'es chrétien? Non. Non. Non, moi. Je crois aux voitures, moi. Ouais, ouais. Qui monte les femmes. Ouais. J'imagine. Jette cette cigarette. Elle est finie, ta cigarette. Ouais. Bien joué, top 5. Allez, mon ref, à la prochaine. Prochaine. Ciao, bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Gléry. Comment? Gléry. Gléry, comme les glaires. Ouais. Ok, excuse-moi. T'as quel âge? 16 ans. 16 ans. Ouais.
toi. Comment ça se fait t'es grand comme ça? C'est comme ça, hein. Que penses-tu de la ville de Saint-Étienne? On dit que c'est la ville la plus nulle de France. Est-ce que c'est oui ou c'est non pour toi? En vrai, Saint-Étienne, c'est bien, mais c'est petit. Ça veut dire que tu fais un petit tour en centre-ville, c'est fini, tu vois. Après, il y a un peu de meufs, mais... Un peu de meufs, c'est-à-dire que t'es pas en couple, toi? Non, je suis pas en couple. Ah, demi-tour, t'es pas en couple? Non, je suis pas en couple. Tu sais que ta meuf, elle va voir la vidéo, là. Ouais, ça se peut, elle le voit en plus, mais non. T'es mort? Non, ouais. Dans la merde, gros. Tranquille. Je vais même pas flouter ton visage. Vas-y, tranquille. Trop tard. De toute façon, même si je te floute, elle va te reconnaître avec ta dégaine, ouais, ton style et tout. Elle va dire, mais c'est pas mon gars, lui. Non. Il dit, il y a des meufs dans la ville, normal. J'appartiens à personne, j'appartiens qu'à ma mère. C'est fort. Et toi, qu'est-ce que tu verrais améliorer dans Saint-Etienne pour que ce soit une ville meilleure? En vrai, je sais pas. Plus d'activités en vrai. Parce que, plus de meufs? Ouais. Plus de meufs? En vrai, il y a de la meuf. Mais plus d'activités. Mais plus vois, de meufs surtout. Les meufs, tranquille, tu vas à Lyon, tu vois des meufs. Mais c'est bon, c'est pas le problème, les meufs. Mais par exemple, là, tu vois, on est dimanche, il n'y a rien à faire. Tout est fermé. Parce qu'il n'y a pas de meufs. T'as une tuerie avec les meufs. À part sortir au foot, il n'y a rien à faire d'autre. Ok. Et tu ferais des pompes pour la caméra? Contracte? Ah ouais, t'es musclé un peu. Je comprends pourquoi les meufs, elles te kiffent. J'ai mal au bras. Je te jure, j'ai mal au bras. J'ai repris le sport là, j'ai mal au bras. Ça fait combien de temps t'es avec ta meuf? J'ai pas de meuf. J'en ai plusieurs, mais. T'es un mytho, toi? Non, j'ai pas de meuf. Toutes tes meufs, elles vont voir la vidéo. Dédicace à vous. Ouais, merci. Tu vas bien? Ouais, ça va, tranquille. Tu t'appelles comment? Mais attends, c'est pour la vidéo. C'est pourquoi la vidéo? C'est. Je vais vous poser la question. Mais restez là, arrêtez de bouger. Vas-y. Vous pensez quoi de la ville de Saint-Étienne? Saint-Étienne? Moi, je suis pas de Saint-Étienne à la base. T'es d'où? Je suis de 91, Évry. Ça se voit, à ton style, t'es pas un mec de Saint-Étienne? Ah ouais? Bah ouais, gros. Ils sont tous gaz, les mecs ici. On est pas de Saint-Étienne, donc bah lui. Vous deux, vous êtes est... pas de Saint-Étienne? Non. Vous faites quoi ici? Pour les études, ouais, à la Cité du Design. Mais ça fait longtemps que vous êtes ici un peu. Ça fait un an et demi. Ouais. Et vous pensez quoi de la ville? C'est pété. Hein. Il y a pas grand chose à faire. C'est pas la folie, hein, j'avoue. Mais il y a pas trop de meufs et tout? Y'a. Les meufs, elles sont dans notre école, tu vois. Ils viennent pas d'ici non plus. Ok. Et sinon, il y a quoi à changer à Saint-Étienne? Qu'est-ce qu'il faut En vrai, c'est une petite vie. En vrai, non, c'est pas si mal. Ça va. Ça manque d'activité. En fait. Mais ça manque de choses à faire. Ça faut manque des de. Faut ajouter des espaces verts dans le. Dans la ville. Pourquoi vie. Pour boire des bières, se mettre les pieds à l'air et tout. Ouais, par exemple. C'est genre quand il fait beau comme ça, tu vois, un petit endroit pour se prélasser ou. Ok, bah passe un message au maire. Au maire, c'est pour le maire, ça. Ouais. Bah, moi je t'avoue, je suis pas parti pour passer pas ma envie vie d'avoir ici. Des problèmes, hein. Non, mais je suis pas parti pour passer ma vie ici. Je pense que dans un an, je suis plus là. En vrai, c'est vrai. Quoi ce petit post-it? Je sais même pas, mec. Pourquoi t'as ça? Pour pimper un peu ma sacoche, mais j'ai dû trouver un endroit. Mec de santé. Bah, on est mec. Bah, ouais. Pour ça, vous les gars. Merci. Ok, voilà, inspecteur gadget. Vous allez bien? Inspecteur gadget? Ouais. Vous avez le même style? C'est pas vrai. Franchement, ça va vous à ravir. Gadget, c'est un cow-boy. Hein? Gadget, c'est un cow-boy. C'est pas un cow-boy, c'est un inspecteur. Inspecteur, ici. Ouais, il est de Saint-Étienne. Non. Hein? La ville de Saint-Étienne. C'est Saint-Étienne-Loire. Hein? Saint-Étienne-Loire. Mais vous pensez quoi de la ville de Saint-Étienne? La ville de Saint-Étienne, vous en pensez quoi? Elle est bien, la ville? Ah oui, il est bien. Et il y a quoi à faire à Saint-Étienne? Il y a tout. Il y a de tout? Il y a le travail. Et vous travaillez encore? Hein? Vous travaillez? Ah, j'ai travaillé 50 ans. 50 ans? Où? Hein? Dans quoi? Dans le bordeaux, dans le bâtiment. Ah, dans le bâtiment. Ok. Et là, vous faites quoi aujourd'hui? Vous faites quoi aujourd'hui? Je me balade. Je peux me balader avec vous? Ah non. J'ai une petite question. Oui. Il se passe quoi ici? Eh bien, il y a un carnaval de l'inutile. Et nous défilons pour exprimer différents sentiments par rapport à notre société, notamment l'armement, la surveillance, la vidéosurveillance, etc. Et tout l'argent qui est investi. Les complots? Les complots? Quels complots? Les complots dans l'État. Quel complot? Bah, je sais pas, c'est une question. Ah non, je parle pas de complot. Là, on est dans un monde capitaliste. Donc, ce monde vit sa vie très très bien, sans s'occuper de nous. Et répartit les richesses très très mal.
Donc toujours à ceux qui en ont déjà et pas aux autres. Et ils représentent quoi l'œil ? Ce sont les caméras de surveillance qu'il y a partout et qu'on installe de plus en plus. D'accord. Et qui espionnent les gens en permanence. Vous avez un truc à cacher ? Rien du tout. Vous êtes sûr ? Oui. Ça va, tranquille et tout. Wow, j'aime trop votre déguisement. Eh, merci. C'est Mais il se passe quoi là ? Bah, c'est le carnaval de l'inutile. Ah ouais. T'aimes bien ? Ouais, c'est vrai. C'est mon collègue qui filme. Il est où ? Il est là. Ça va, on vous reconnaît pas. Ouais, tranquille. C'est le carnaval de quoi ? De l'inutile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en gros on est contre tout quoi. Genre en gros. Mais là t'es contre quoi toi exactement ? Mais en fait non, déjà c'est la fête ici, tu vois, et en fait on se rassemble à plusieurs, des personnes, voilà. Vous faites des petites danses et tout. Ah, mais c'est contre les projets en fait locaux qui nous saoulent. Tu vois, genre les constructions de routes qui vont détruire des villages ou des champs, des trucs de merde. Genre la cité 2025 qui va devenir un quartier gentrifié de ouf. Genre c'est que contre des projets locaux de merde en fait, tu vois. Des trucs cons quoi. Ouais, des trucs qui La gentrification, chier, on est contre la gentrification à Saint-Étienne. Vous avez un mot à dire ? Bisous. Je sais pas. Bisous, non ? Pourquoi bisous ? Bah ciao, genre. Un mot ? C'est ça, non ? Tu pars ? Quelle ambiance ! J'aime trop ton nez. Merci. Je t'appelle comment ? Je m'appelle Jean-Claude. Jean-Claude ? Ouais, je fais que mentir. Ah ouais, Pinocchio. Voilà. J'aime bien. Et c'est quoi ça ? Ça c'est un cochon ça. Mais c'est un ouf ! Ouais, j'étais déguisé en animal. C'est le ramadan ! Je sais. J'ai hésité. Et je me suis dit, bah on est tous des animaux après tout. Voilà. Que verriez-vous améliorer dans cette ville pour que ce soit une ville meilleure tout simplement ? Bah il faudrait qu'il y ait plus de moyens, je pense que c'est une ville pauvre. Donc qu'il y ait plus d'emplois. Vous avez l'air riche monsieur. Oui. Vous êtes riche ? Je suis milliardaire, mais j'ose pas le dire. Vous avez pas 5 euros pour moi ? J'ai peur de me faire dépouiller. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ce qu'il y a de cool à Saint-Etienne, bah, c'est les gens déjà. Il y a plein de gens super, super chouettes tout autour de nous. Il y a l'esprit. Enfin, voilà, c'est l'esprit en général, quoi, tu vois. Le fait que tu puisses avoir des trucs comme ça, des carnavals. Je trouve ça normal que les gens de Saint-Etienne brûlent des poteaux en forme de bonhomme. Ouais, bah écoute, après c'est y a certaines c'est un moment festif, tu vois. C'est spécial comme fête quand même. Oui, c'est un peu spécial. C'est très spécial comme fête. C'est très spécial, mais c'est une petite manif, un truc comme ça. Est-ce que je trouve ça normal ? Bah, ce qui devrait pas être normal, c'est... Non, en vrai, tu sais quoi, je pense que je vais répondre à tes questions. Ouais. Merci quand même. Passez une bonne journée. Vas-y, à toi aussi. T'es le meilleur. Merci beaucoup. Oh, je me sens pas trop à ma place là. Je pense qu'on va bouger. Oh, Yanami. Yanami. Viens. Bonjour. Ce serait pas toi, Nami, dans One Piece ? Qui ? Nami. Non, c'est pas moi. C'est pas toi ? Si, c'est toi. Ah bon ? Bien sûr. Bah, c'est moi alors. Et tu penses quoi de Sanji ? J'ai pas regardé One Piece. T'en as pas marre de lui en vrai ? Il arrête pas de te coller un peu à la peau. Ouais, non, il est un peu lourd, il est chiant. Mais tu l'aimes pas un peu ? Il fait des bons plats quand même. C'est vrai qu'il cuisine bien, mais c'est tout. Mais tu serais pas amoureux de Zoro en secret, en vrai de vrai ? Sanji, vas-y, dès que tu le vois, tu dis vas-y lui. Ouais, c'est vrai. Non mais, je sais pas, les deux, ils me saoulent un peu. Ok, tu préfères qui entre les deux ? Toi, t'aimerais bien Luffy, toi. Est-ce qu'il peut faire gonfler des parties de son corps ? Non, pas trop. Je sais pas moi, Zoro ? Ok, parce qu'il peut manier ses 3 katanas en même temps, c'est ça ? C'est ça, c'est vrai ça. Merci beaucoup. De rien. Wow. It's beautiful. Thank you. You're welcome. I don't know. What do you want to know? Like, I'm not from here, so like... T'es pas de Saint-Té ? Non, je suis pas de Saint-Té. T'es d'où ? De Lyon. T'es de Lyon ? Tu ressembles à un lion, t'es de Lyon ? Ouais, je ressemble à un lion là, ouais. Non, ouais, pas à Lyon. Ouais. Ah, un cochon ! Mais oui, mais du coup, je peux rien vous raconter. Hein. Là, il y a des gens de santé, s'il vous plaît.
Alors, qu'est-ce qui... Oui, qu'est-ce que tu penses de la ville de Saint-Étienne ? La ville de Saint-Étienne ? Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais, Et moi j'aime bien la fête de village, un peu comme ça. C'est ce que vous êtes en train de fêter, la fête du village ? On fait la fête du village. Mais quel village ? De Saint-Étienne. C'est une ville, c'est pas un village. J'ai pas tout compris là, j'ai pas compris.